Océanie. Qu'on a été. Qu'on a été Océanie. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous Ok. Damugal ma bititana ma ma bitina damugal oseni wala ma auto fenet andi wala do e a wadina mushwar bo avec ventilateur Aisha do wadina do me taun nomé vraiment directeur technique de préparation des émissions oya nomination ta kilo oya aïe 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 gloire à Jésus Jésus Christ est bon. Maman, est-ce que dole ou yetcha mana? Il faut qu'à andar. Bon, il faut faire maman, le mari perd de maman. Le mari perd de maman, donc il l'a. Ama, il faut que tu comprennes. Il faut qu'à andar que dans la vie là, comme moi, en cet moment, oh, sans la ou le mako. Et il faut que comme moi, le metta vie. An, par exemple, der, na metti vie ma an, ado, quand je vois yawar ti godo ma ado handero. Donc, achou, moya. To veli, veli, minyati Allah. To hadi, minyati Allah. Kanjo wala ta wana de boje. Alay de wana. Bonjour à chacun de vous. Bonjour à vous. Bonjour à Mesti, à Bernus, de Kante. Que Dieu bénisse. Bien sûr, t'as même pas lié. Lalay. Lalay. Mais vio. C'est un peu comme si l'image là. Bon, attends. Hein? Non. Non, ça va. Mais t'as mis là, c'est bon, non? Ah, là, c'est là. Là, on est chez maman. Maman Marie. La mère du prophète Ferdinand est Cané. Et Cani. Il m'a vu au prophète et Cani. Et que je ne suis pas contre qu'on m'insulte. Mais il faut m'insulter. Sans écorcher mon nom. Bonjour. Monique, bonjour. Burberry, bonjour. Danjo, bonjour. Que Dieu bénisse. Nous sommes là ce matin, nous attendons nos bien-aimés. Connectons-nous massivement, s'il vous plaît. On va parler des questions sensibles, voilà, comme d'habitude. C'est la Rema Facebook Church. Nous remercions Maman Marie pour l'occasion qu'elle nous donne de faire cette émission chez elle. Connectons-nous massivement, s'il vous plaît. Et surtout, partageons la vidéo. Partageons cette vidéo maximum. Et dans nos groupes, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre page. Et appuyez sur le bouton de notification pour pouvoir être informé à chaque fois que nous avons un direct à vous proposer. Voilà. Ok. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Hippolyte Namekon. Bonjour à vous. Bonjour à Francis Roger Sopo. Priscal Maya. Bonjour. Chacun avec son cahier, son bic. Ah. Mais abe anda no miro jam na kono e. Bevi mes clients premium, mes clients premium si. Ne viata. Premium. Orange, c'est terrible. Je t'assure, maman. Connectons-nous, s'il vous plaît, massivement. Connectons-nous, partageons la vidéo.
Bienvenue au prophète Alain et Vina. Bienvenue à Juliette Betty. Betty. Joël Mafonier. Mara Nemia. Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée. Bonne arrivée à tout le monde. Connectons-nous, s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Ne t'installe pas sans avoir partagé cette vidéo, s'il te plaît. Contribue à l'édification de quelqu'un. Donc, partage cette vidéo. Partage-la jusqu'à avoir mal au niveau de ton pouce. Et envoyez des cœurs pour faire monter le nombre de vues. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à Christine Toraban Minko. Que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Oh, nous sommes heureux de vous recevoir sur cette plateforme. Ok. Seigneur, merci pour ta grâce. On va commencer bientôt. Voilà. Oh, j'aime la Bible. Seigneur, j'aime ton livre. J'aime ce livre, vraiment. Merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Et prends ton cahier, s'il te plaît. Prends ton cahier. Que chacun ait son cahier et son bic. Que chacun ait son cahier et son bic. Ok, prions. Demandons au Saint-Esprit de nous accorder la sagesse, l'intelligence pour comprendre sa parole ce matin et que cette parole nous sanctifie et nous purifie. Nous prions au nom souverain de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour le don de ta parole. Merci parce que tu nous ouvres l'esprit et tu nous purifies par ta parole. Seigneur, je t'en supplie, étends ta main dans nos vies pendant que nous sommes assis ici et que notre humanité parle contre nous. Nous prions par ton esprit, inonde-nous. Afin que la connaissance des mystères de ton royaume et de ta parole nous soit apportée.
Et par ces connaissances, nous serons guéris. Par ces connaissances, nous serons restaurés. Par ces connaissances, nous serons bénis et nous serons sanctifiés. C'est à cette sanctification que tu nous as appelés, en nous invitant à nous adjoindre à l'œuvre de Christ sur la croix par le sacrifice de sa vie pour le rachat de nos âmes. Seigneur, merci parce que tu nous exauces au-delà de ce que nous demandons et pensons, dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Allons demander au Seigneur la grâce. La Bible dit dans Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole, elle est guérie. Et Jésus dira, déjà vous êtes purs à cause de cette parole que je vous ai annoncée. Demandons à Dieu de nous purifier par sa parole ce matin. Toute impureté dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, que la parole de Dieu t'en lave, que la parole de Dieu t'en débarrasse. Prions, Seigneur, débarrasse-nous de toute impureté spirituelle ou physique ou sanitaire, relationnelle, etc., etc., par la vertu de ta parole. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus-Christ. Wa inna udali balista udal falaza wa anna esmalikum. Tela il fela wa anna asmani ga udali velko. Subrami wa inespromi wa anna albazer. Seigneur, merci parce que tu es bon. Seigneur, épure-nous par ta parole, afin que nous soyons émondés, que nous portions beaucoup de fruits. Seigneur, que toute impureté dans nos vies, par la puissance et la vertu de ta parole ce matin, puisse être lavée, ôtée de nos vies. Seigneur, lave-nous, purifie-nous. Seigneur, que ta parole nous rende à ton image et à ta ressemblance. Que la crainte de ton nom soit réelle dans nos cœurs. Que l'amour de la sainteté, la haine du péché, soit semé en nous par la vertu de ta parole. Saint-Esprit, prends contrôle dans la vie de quiconque est connecté maintenant et après. Et accorde-nous la grâce d'être épuré par la puissance de ta parole, car c'est une eau pure qui nous lave de toutes nos iniquités. Béni soit ton nom pour l'éternité. Au nom souverain de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Si tu as fait cette prière avec foi, crois que le Seigneur t'a purifié. Le Seigneur Jésus a dit, lorsque vous demandez une chose dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçue et vous verrez la chose s'accomplir. Mais quand voilà mouchoir Adona. Hein? Quand il mouchoir simple de. On va dire nam diam set là. Un instant, pardon, un instant, j'ai oublié de nettoyer la caméra. L'image n'est pas trop bonne. Aïcha? Ok, maman, yeti. Désolé. C'est difficile d'envoyer la maman. Aïa, famille, pardonne-moi, pardon. Pardon, maman. Pardonne-moi. Dieu lui-même voit qu'elle était coincée. Yetima, alors de Barka. Merci. Maman est très gentille. Excusez-moi un instant. Bon, ce n'est pas professionnel, hein. Je sais, mais. Voilà. Là, c'est pour que vos yeux. Voilà. Merci pour votre patience. Heureusement que c'est l'église ici. D'accord. Alors, nous parlons du ministère prophétique. Hier, j'ai essayé de vous expliquer le mystère. Je fais une sorte de résumé rapidement et je vais lire le verset du jour. C'est pour ça que j'ai dit que chacun ait son cahier, parce qu'on va parler des choses un peu compliquées. Donc, on a vu 1 Corinthiens chapitre 12 hier avec les dons. On a vu les 9 dons de l'esprit. Et dans les 9 dons de l'esprit, on a parlé de 2 dons. On a vu le don de la prophétie et le don d'interprétation des langues. Vous voyez. Maintenant, lorsqu'on parle du don de la prophétie, j'ai expliqué que le don de la prophétie ici se fait en langue. Quand vous êtes dans une assemblée, un frère se lève, il parle en langue, personne n'écoute, c'est-à-dire personne n'entend ce qu'il dit. C'est des merveilles qu'il dit à Dieu, mais il le dit en langue, dans les langues de l'esprit. Maintenant, on a vu hier qu'en ce qui concerne la glossolalie, c'est la partie de la théologie qui étudie le parler en langue. Donc, dans la glossolalie, on a dit que la glossolalie est bicamérale. Bicamérale veut dire qu'elle a 2 chambres. Il y a les langues du ciel et les langues des hommes. Donc, quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit peut parler les langues des anges, c'est-à-dire les langues des familles du ciel. Parce que vous savez que la Bible parle de toutes les familles du ciel qui rendent un culte agréable à Dieu. Donc, on a vu qu'il y a des races au ciel, il y a des familles au ciel. Et donc, il y a des gens qui, étant baptisés dans le Saint-Esprit, ont la grâce de parler l'une des langues du ciel, ou la langue des anges. Et certaines personnes parlent les langues humaines, mais le parler en langue ne s'apprend pas. On n'apprend pas le parler en langue comme aujourd'hui.
Il y a des écoles où on apprend le parler en langue, ou bien lorsqu'on prie pour le baptême de Saint-Esprit, on commence à dire quelqu'un, dit ba, il dit ba, dit bobo, il dit bobo, dit bababou, il dit bababou, bababouka, il dit bababouka. Non, ça, ce n'est pas, c'est pas biblique. Vous verrez que dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu, personne n'a enseigné à l'autre comment parler en langue. La Bible dit que tous se mirent en parlant d'autres langues. Tous se mirent à parler en d'autres langues. Donc, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme de parler une langue qu'il ne maîtrise pas et qu'il n'a pas apprise à l'école. C'est ça, le parler en langue. Maintenant, une autre chose, les gens, certaines personnes sont devenues sceptiques en ce qui concerne le parler en langue. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est cacophonique. C'est-à-dire que ce n'est pas un parler en langue. Lorsqu'on parle du parler en langue, il s'agit d'une langue intelligible. Et l'apôtre Paul lui-même le dira. Il dit, aussi nombreuses qu'existent les langues, il n'y a pas une seule langue qui soit une langue inintelligible. Vous comprenez? La Bible nous a tout enseigné. La Bible dit tout. Les apôtres ont pris soin de nous enseigner beaucoup de choses. Mais nous n'y prêtons pas suffisamment attention. Donc, vous voyez, il dira ceci. Il dit que... aussi nombreux qui existent les langues, il n'y a pas une langue qui soit... 1 Corinthiens chapitre 14, verset 10. Quelques nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Verset 11. Si donc je ne connais pas l'essence de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle et celui qui parle sera un barbare pour moi. Donc si tu parles en langue, tu dis des choses qui n'ont pas de sens. L'apôtre Paul dit que c'est un langage de barbare. Alors celui qui t'entend dira que ça c'est un barbare. Et toi tu vas te fâcher que celui-là est barbare, il n'entend pas. Comment il ne peut pas saisir mon langage parce qu'il est barbare. Or celui qui va t'écouter va dire que celui qui parle un langage de barbare. Il y aura une confusion. L'apôtre Paul dit clairement que aussi nombreuses qu'existent les langues sur la terre, il n'y a pas une langue où bonjour veut dire bababa. Bonsoir veut dire bababa. Dieu veut dire bababa. Le soleil veut dire bababa. Il y a ce qu'on appelle en linguistique les corrélations onomatopéiques. C'est quoi une corrélation onomatopéique? Par exemple, le fusil fait « bang » et on écrit « bang ». Vous voyez? Le chat fait « miaou », on écrit « miaou ». C'est ça qu'on appelle l'onomatopée. Vous voyez? Donc, il y a une relation onomatopéique entre les idées et les mots. Vous voyez? Entre les idées et les mots, il y a une relation, si vous voulez, une corrélation onomatopéique. Maintenant, il faut comprendre que dans les bases de la linguistique, ça veut dire que toute langue que l'on peut parler, que ce soit au ciel ou sur la terre, ces langues-là respectent les sciences de la linguistique. Quelqu'un d'autre dira non, la langue que je parle n'a pas de sens parce que c'est la langue des anges. Tu étais là-bas. Tu es déjà parti entendre comment les anges parlent là-bas. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est quoi? C'est que si ton parler, ça veut dire que si je parle français comme je parle et c'est intelligible, ce n'est pas la langue de Dieu qui sera barbare, puisque ce que nous avons, les langues que nous parlons, ont été tirées du modèle céleste des langues qui étaient parlées avant même que l'homme ne soit créé. Donc, il y a quand même un ensemble de choses qu'une langue, qu'un parler en langue doit respecter pour qu'on ne tombe pas dans la barbarie glossolalique. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Donc, le parler en langue doit être clair. Si tu dis les mêmes choses tous les jours du 1er au 31, c'est un problème. Je parle du ministère, je parle du don de prophétie qui se fait en parler en langue. Et il faut que les gens comprennent ce que c'est que le parler en langue. Parler en langue, ce n'est pas ba 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 ba. C'est pas le parler en langue. Il n'y a aucune langue ici bas où on parle ba 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 ba. Quelqu'un parle de Jésus, c'est ba 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 ba. Il savait tout dire. Non. Le soleil s'appelle soleil. Ça s'écrit soleil. Et sur le plan phonique, sur le plan de la musicalité du mot, ce qu'on appelle la phonique des mots, le soleil est différent de la lune et leur appellation diffère aussi. C'est ça, le soleil s'appelle soleil, la lune s'appelle lune en français. La voiture s'appelle voiture, le chat s'appelle chat. Mais on n'appelle pas la lune lune et le soleil lune et la voiture lune et le chat lune. Non. À chaque idée, il y a un mot. Et à chaque mot, il y a une sonorité, il y a une cadence. Maintenant, le parler en langue doit être une langue cadencé et non saccadé. Il faut que les gens comprennent cela. Donc, il faut que ton parler soit, qu'il soit cadencé. La musicalité doit être
cadencé et non saccadé. Donc, si ton parler en langue n'est pas propre à la base, comme le dit, quelques nombreuses que puissent être dans le monde, les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Donc, l'apôtre Paul dit que toutes les langues que nous devons parler dans l'Église doivent être intelligibles. Ça veut dire, ces langues-là doivent scientifiquement être soutenues, même si quelqu'un ne comprend pas ce que tu dis, mais il est quand même convaincu que ça, c'est une langue qui est parlée quelque part. À cause de la variété des mots. La variété, c'est ce qu'on appelle en linguistique la polysémie. Vous voyez? À cause de la polysémie langagière que vous utilisez ou bien que vous usitez lorsque vous exprimez en langue. C'est quand quelqu'un parle une langue, comme je viens de parler là, personne ne peut répéter exactement tout ce que j'ai dit depuis le début de cette émission. Pourquoi? Parce que j'ai développé tellement d'idées qu'il y en a aussi eu tellement de mots. Ça veut dire que autant d'idées j'ai développé, autant de mots j'ai usité, et donc ça devient impossible de m'imiter parce que il y a toute une ribambelle, toute une litanie, toute une panoplie, tout un agglomérat, tout un conglomérat de mots que j'ai usité. Donc à partir de ce moment-là, on dit que la langue respecte les lois scientifiques de la linguistique, et c'est la base que l'apôtre Paul pose. Donc celui qui a le don de prophétie à l'église, nous avons vu hier qu'il se lève et il parle en langue. Et cette langue doit être une langue intelligible et non pas inintelligible. Et donc, quand il parle en langue, parce que vous voyez, quand vous arrivez dans une église aujourd'hui, tout le monde parle la même langue que le pasteur ou le prophète. Quand le prophète dit « Harabababa », tout le monde dit « Harabababa ».« Harabababa », »,« Harabababa », »,« Harabababa », »,« Harabababa ». En fait, c'est la même sonorité que tu développes, c'est « Harabababa ». Mais seulement, c'est un peu le son que tu essaies de changer, le ton, le timbre vocal. Harabababa, harabababa. Harabababa, harabababa. En fait, là, ce n'est pas le parler en langue, bibliquement parlant. Je suis désolé pour vous. Alors, celui qui prophétise parle en langue, il prophétise en langue. Maintenant, il faut que celui qui prophétise ait le don d'interprétation des langues pour être capable de traduire à l'assemblée locale ce que le Saint-Esprit est en train de dire en langue usuelle. S'il n'a pas le don d'interprétation des langues, il va prophétiser et ça ne sera pas utile. Pourquoi? Parce que personne ne sera là pour édifier l'Église en traduisant cela dans la langue que les gens comprennent, qu'on appelle la langue usuelle. Mais dans la salle, il peut avoir quelqu'un qui a le don d'interprétation des langues. Et j'ai expliqué que le don d'interprétation des langues, c'est la capacité surnaturelle et divine que Dieu donne à un homme d'entendre les langues de l'esprit. C'est-à-dire que si tu parles en langue à côté de quelqu'un qui a le don d'interprétation des langues, il pourra te dire ce que toi tu dis que tu ne connais même pas. Et si cette personne parle en langue, elle sait ce qu'elle dit à Dieu. C'est-à-dire qu'elle joue dans la cour du Saint-Esprit. Elle est dans la cour du Saint-Esprit. Elle marche, elle a libre accès dans la cour du ciel, la grande cour du ciel. Elle entend la langue de l'esprit, la langue des anges ou bien la langue des hommes. Mais est-il toujours dit qu'elle comprend ce qu'elle dit en langue? Il y a des personnes qui ont développé leur relation avec Dieu et ont eu ce don d'interprétation des langues, en sorte que quand elles parlent en langue, elles savent ce qu'elles disent. Or, la majorité ou la presque toutime des enfants de Dieu ou des chrétiens ne comprennent pas ce qu'ils disent quand ils parlent en langue. Quelqu'un demandera pourquoi est-ce que quand je parle en langue, on ne comprend pas. Non, en fait, c'est parce que tu n'as pas le don d'interprétation. Pourquoi je parle en langue, je ne comprends pas ce que je dis. Parce que la réponse est simple, tu n'as pas le don d'interprétation des langues, tu ne peux pas comprendre. Parce que ce n'est pas une langue que tu as apprise à l'école, ou bien à la maison, ou dans ta famille. Il te faut le don d'interprétation des langues. Maintenant, il y a une polémique que je voudrais lever rapidement. Peut-être Dieu me donnera la grâce de revenir sur le parler en langue. il y a des personnes qui ne croient pas au parler, au baptême dans le Saint-Esprit, surtout. Ou bien d'autres croient, mais d'autres ne croient pas que parler en langue est nécessaire, que le signe du baptême dans le Saint-Esprit sur le parler en langue, ça dit que c'est ça qui prouve qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Il y a des gens qui se disent qu'on peut être baptisé dans le Saint-Esprit sans parler en langue. Premièrement, c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient dans la chambre haute, dans Actes chapitre 2, ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ont parlé en langue. Tous ont parlé en langue. La Bible ne dit pas que certains apôtres parlent en langue, d'autres ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ne parlaient pas en langue. Ça, c'est le fondement de notre foi. Tous ont parlé en langue. De deux, la Bible expliquera que même ceux qui sont venus après, qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul, qui est venu après les douze,
Lui aussi a été baptisé dans le Saint-Esprit et il parle en langue. Et l'apôtre Paul va même jusqu'à dire, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc c'est une fierté de parler en langue. Mais il faut que ce soit une vraie langue. Maintenant, quand vous regardez Corneille, dans le chapitre 5, lorsque Pierre est entré dans sa maison et qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Et quand vous regardez dans Actes chapitre 19, lorsque Paul croise les disciples de Jean-Baptiste, elle leur demande, si vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit, lorsque vous avez cru, ils ont dit, on n'a même pas entendu parler qu'il y a quelque chose qu'on appelle le Saint-Esprit. Il leur a imposé les mains, ils se sont mis à parler en langue. Donc, bibliquement, il est prouvé que le baptême dans le Saint-Esprit, la preuve, c'est-à-dire que le baptême dans le Saint-Esprit, la conséquence directe, c'est de parler en langue. Et il faut que ton parler en langue soit authentique. Il faut qu'il soit intelligible. Maintenant, il y a des personnes qui disent que on peut être baptisé dans le Saint-Esprit, mais on ne parle pas en langue parce que tous ne doivent pas parler en langue. Et les gens commencent à citer le passage de la Bible qui dit « Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue ?» Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30. C'est des passages qui troublent certains croyants. Maintenant, quand vous regardez dans 1 Corinthiens 12, verset 10, la Bible dit ceci. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Vous voyez, ici, on parle des dons de l'esprit. Parmi ces dons, il y a un don qu'on appelle le don de diversité de langues. Le don de diversité de langue qui est un don rare dans l'église aujourd'hui. C'est un don qui est très rare. C'est un don que beaucoup... En fait, c'est un don qui est en train de passer mais sous silence dans l'église. Les gens, les chrétiens ne savent même pas. Les gens ne lisent plus la Bible. C'est-à-dire que la foi chrétienne, plus il y a les hommes de Dieu, plus notre ignorance, l'ignorance du peuple de Dieu est en train de s'accroître encore davantage. On ne comprend pas. C'est que les gens ne veulent plus lire la Bible. Les gens n'étudient pas les Saintes Écritures. Donc, il y a parmi les 9 dons de l'Esprit ici, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10... Il y a un don qu'on appelle le don de diversité de langue. Le don de diversité de langue, c'est quoi? C'est la capacité que Dieu donne à une seule personne de parler plusieurs langues lorsqu'elle prie en langue. C'est-à-dire que je peux prier en langue, je prie en chinois, je parle mundan, je parle gisga, et je parle l'araméen, je parle l'hébreu, je parle l'arabe, je parle latin, je parle grec, je parle foufoulde, en même temps dans une seule prière. C'est-à-dire que comme je suis en train de parler là, je vais vous montrer un exemple, hein, mais ça, c'est pas que c'est la diversité de langue. Je parle dans les langues que je connais un peu. C'est pas comme on dit, good morning, dear friend, je voulais juste te dire que je suis content de te voir. Milari ma fadira handero, tu as l'audir au milian lumo. Besso yile sundo au chamo. Mou pen kuni mi dam, ou ji. Et quand ba bamos, bamos à andar, conjunto, voy a decirte una cosa que no te edigo. Qui est noté et dit. Donc, maintenant vous voyez que j'ai parlé au moins 5 langues. Mais juste pour un paragraphe, j'ai parlé au moins 5 langues. C'est ça le don de diversité de langues. C'est-à-dire que c'est une personne qui parle la langue aujourd'hui. Demain, tu remarques que la langue qui parle, ce n'est pas la langue qui parlait hier. Après demain, la langue a encore changé. Un autre jour, son parler en langue a changé. Ça, on appelle ça le don de diversité de langues, qui est un don excellent dans l'église. Je connais de toute ma vie, une seule personne que j'ai croisée qui parlait le don de diversité de langue, qui avait le don de diversité de langue, le frère Simon à Garoua, qui est mort aujourd'hui. À l'époque, j'aimais beaucoup prier avec lui. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il commençait à parler en langue, mon Dieu, il changeait la langue. Tu sentais comment la musicalité, la sonorité, la cadence changeait. Tu savais qu'ici, là, il est dans une langue africaine. Mais tu ne comprends pas ce qu'il dit. Là, maintenant, c'est une langue asiatique. Non, ça, c'est comme le latin. Ça, c'est comme le grec. Ça, c'est comme l'hébreu. Il avait un don extraordinaire. Il avait un don extraordinaire, je vous assure. Mais malheureusement, il est mort. Il est mort très tôt. Hein. Ça, c'est que je vous raconte l'histoire, c'est en 96. En 1996, il est mort. Donc, le don de diversité de langue est un don extraordinaire. Maintenant, la Bible explique quelque chose. Les gens disent que non. L'apôtre Paul lui-même a dit, tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Alors, les gens s'appuient sur ce verset de 1 Corinthiens chapitre 12 pour expliquer que l'apôtre Paul lui-même a dit que tout le monde ne doit pas parler en langue. Ce qui est une grave erreur. C'est une grave erreur. Ici, l'apôtre Paul ne parle pas du parler en langue parce qu'il y a deux types de parler en langue. Il y a deux parler en langue. Il y a un parler en langue qui est le signe du baptême dans le Saint-Esprit.
Dès que tu es baptisé dans le Saint-Esprit, la première chose, c'est le signe qui prouve, le signe visible, parce que le baptême dans le Saint-Esprit est invisible. Le signe visible qui prouve que tu es baptisé dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est ça qui nous témoigne que l'Esprit est tombé sur toi. Il est entré en toi. Donc ça, c'est normal. Tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit parlent en langue. Mais tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit n'ont pas le don de diversité de langue. La majorité parle une seule langue toute leur vie. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 30, l'apôtre Paul ne parle pas du parler en langue comme étant le signe du baptême dans le Saint-Esprit, mais il parle du don de diversité des langues qui est l'un des 9 dons du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il compare les dons. Il dit tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Et langue ici, c'est au pluriel. Or, le parler en langue qui est baptême dans le Saint-Esprit, c'est parler en langue, en une langue. Dans la Bible, ce langue-là n'a pas S. Ici, il s'agit des dons qu'il compare. Et il dit, tous interprètent-ils? Il s'agit de quelle interprétation? Interpréter ce que je dis en français, c'est en anglais? Non, il parle du don d'interprétation. Donc ici, l'apôtre Paul fait la comparaison entre le don de miracle, le don de guérison, le don de diversité de langues et le don d'interprétation des langues. Donc l'apôtre Paul ne disait pas que ce n'est pas tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit qui doivent parler en langue. Non, tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit doivent parler en langue, mais tout le monde n'a pas le don de diversité de langues. Et je suis en train de vous dire que depuis 1996, je n'ai plus jamais croisé une personne qui parle plusieurs langues dans l'esprit. Je n'ai jamais croisé. Pour vous montrer la rareté de ce don. Donc, mais les gens ne s'intéressent plus à ça aujourd'hui, malheureusement. Donc, le prophète prophétise don en langue. Il parle en langue et puis il faut avoir le don d'interprétation. Comme tout le monde n'a pas le don d'interprétation des langues, tout le monde non plus n'a pas le don de diversité des langues. Maintenant, il faut comprendre que vous pouvez poser vos questions sur mon WhatsApp. Hein. Vous avez le WhatsApp, je vais répondre aux questions. Je vais parler jusqu'à la fin rapidement. Je vais m'arrêter un moment pour lire les questions. Voilà. Donc, vous avez mon WhatsApp. Pour ceux qui viennent d'être là, vous avez mon WhatsApp. Affichons le WhatsApp, s'il vous plaît. Affichons le WhatsApp pour nos frères. Donc, vous avez deux WhatsApp, en fait. Vous avez deux WhatsApp. Il y a deux WhatsApp. Il y a le 672... Plus 237 672 13 03 23. Plus 237 672 13 03 23. Voilà, ça c'est le premier WhatsApp. Et vous avez aussi un deuxième WhatsApp. Lui, c'est quoi ce WhatsApp? C'est le... Permettez-moi. C'est le 692 plus 237 692 40 71 86 plus 237 692 40 71 86. Donc voilà pour les deux WhatsApp. Donc bien aimé, maintenant nous parlons de la prophétie. Donc il fallait que vous comprissiez ça avant que nous ne continuions. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que on va lire un verset. On parle du ministère prophétique. J'ai dit que le don de la prophétie est différent du ministère prophétique. Le ministère prophétique globalise tout ça. Mais le don de la prophétie ne fait pas de vous un prophète, automatiquement. Mais un prophète a aussi le don de prophétie en lui, automatiquement. Il a le don d'interprétation des langues en lui, automatiquement. C'est important de le savoir. Donc maintenant, nous lisons un passage de la Bible. Donc. Il dit, Who guard 2 Pierre 1, verset 21. Who guard telemati andropou Enecte prophetegia pote Allah upopnematos agio foremenoi elalesan apoteo anthropoi. Maintenant, je vais traduire en français. Il dit Ugar telemati anthropo enecte prophetegia pote. Il dit que une prophétie n'a jamais été porté par une volonté humaine. Hein? Ugar telemati andropou enecte prophetia pote. En aucun moment, aucune prophétie n'est jamais donnée, n'a jamais été apportée. Hein? Quand il parle de enecte, enecte veut dire porter ou bien amener ou présenter ou dire. Aucune prophétie
en aucun temps. Pote en grec signifie que il n'y a pas un moment, un seul moment, il n'y a pas le moindre instant où un prophète peut prophétiser de lui-même, où une prophétie peut être portée par la volonté humaine. En fait, le texte grec explique que la prophétie a une source. Il y a une usine de fabrication des prophéties. Comme il y a une usine qui fabrique des marques de bière, des marques de chaussures, de vêtements, etc. Il y a une usine qui fabrique la prophétie. Et l'apôtre Paul dit que cette usine-là n'est pas le telemati theou ou le telemati theou, c'est-à-dire la volonté de l'homme. La volonté de l'homme ne peut pas produire la prophétie. Donc, aucun homme ne peut prophétiser par lui-même. Quand il s'agit de la prophétie authentique qui vient de Dieu, l'homme ne peut pas être la source de cette prophétie-là. Non. Il dit, « Allah upopnumatos agio foremenoi » Mais c'est par l'Esprit Saint qu'ils ont été portés. Hein, qu'ils ont été portés. « Foremenoi » veut dire « portés ». Qu'ils ont été portés ou transportés ou inspirés. Et il dit, et la lesan apoteio anthropoi, et parlant aux hommes de la part de Dieu, étant transportés par l'Esprit. C'est un peu comme l'apôtre Jean dira dans Apocalypse 1, verset 10. Il dit, igenomen entopinomati, entekuriak emera. Je fus transporté par l'Esprit. Donc, ici, l'apôtre Paul explique que la prophétie n'est pas produite par la volonté humaine, qu'on appelle en grec telematou teio. Ou bien télémati anthropo, ici, télémati anthropo, voyez. Mais par le pneumatos agios, ou agio, le pneumatos agio, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Donc un prophète ne prophétise pas parce qu'il veut prophétiser. Et ça, beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Il y a deux tendances prophétiques qu'il faut que vous sachiez. Il y a deux tendances prophétiques. Il y a trois familles de prophètes, les Arohe, Haose, les Nebi. Il y a deux tendances prophétiques. La première tendance prophétique, ici l'apôtre Paul nous donne les deux tendances. Dans 1 Pierre, 2 Pierre 1, verset 21, il y a deux tendances prophétiques que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre expliquent. La première tendance, c'est celle qu'il rejette. Hugar telemati anthropo enecte prophetia pote. Il dit la prophétie ne doit pas venir de la volonté de l'homme. Donc la première tendance des prophètes, c'est ceux qui centrent tout sur eux. C'est ça qu'on appelle le télémati anthropo. Lorsque le prophète centre tout sur lui-même, en sorte que le peuple ne voit pas la gloire de Christ, mais la gloire de l'homme qui prophétise, en sorte que le serviteur fait le coup d'état au roi, et le roi n'est plus vu, le serviteur parle de lui, mais portant en lui la marque du roi. Donc, j'ai remarqué que tous les prophètes qui ont prophétisé par le télémati anthropo, c'est-à-dire qu'ils sont inspirés par leur propre volonté, leur propre chair, par la volonté d'être les premiers, par la volonté d'être les doyens dans le domaine, par la volonté d'être le numéro un dans le domaine, par la volonté de n'avoir de concurrent. La prophétie, le ministère prophétique n'est pas un jeu, c'est pas une exhibition, c'est pas une foire, une foire. Pour qu'il y ait des expositions. Ce n'est pas une compétition avec quelqu'un. C'est un ministère, c'est très sérieux. Ce n'est pas un jeu. Mais aujourd'hui, ce don est tellement excellent. Même l'apôtre Paul, il va dire, chercher le don le meilleur, surtout celui de la prophétie, parce que le gars sait ce que ça veut produire. Mais c'est l'un des dons les plus dangereux parmi les 9 dons. Il y a le don de la prophétie, il y a le don de guérison, le don de miracle. Ça, ce sont des dons de parole conscience. C'est des dons très dangereux qui peuvent vous tuer. Donc, le ministère prophétique, prophétiser, c'est pas un jeu, c'est pas un folklore, c'est pas du folklore. On ne prophétise pas pour faire plaisir aux gens. Le prophète ne parle pas s'il n'a pas entendu Dieu lui parler. C'est ça un vrai prophète, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc la première tendance des prophètes, c'est ceux qui prophétisent sous le télémati anthropo. Ça veut dire qu'ils prophétisent pour satisfaire leur chair. Ils veulent haranguer la foule. Ils deviennent des vedettes, ils deviennent des stars. Vous voyez, ils veulent être adulés. Ils se donnent des noms grandiloquents. Ces choses-là, il y a quelque chose de diabolique dedans. Vraiment, je pense que c'est la première fois que je parle de ça. Il y a quelque chose de diabolique dedans. Lorsque les prophètes veulent se donner des noms, on veut qu'on m'appelle comme ça. Je suis le numéro un, je suis telle chose, je suis tel, je suis tel, je suis tel, je suis tel.
J'ai dit, ces noms ne servent à rien. Sinon, c'est un piège pour ceux qui les portent. Et là, vous vous trouverez en train de vous éloigner de la tendance du pneumati agio, c'est-à-dire de l'Esprit Saint, pour vous retrouver dans la tendance du télémati anthropo, c'est-à-dire la volonté de l'homme. Donc, la deuxième tendance des prophètes, c'est ceux qui prophétisent poussés par l'Esprit de Christ, par l'Esprit Saint. Eux ne parlent pas tant que Dieu ne leur a rien dit. Et si Dieu leur dit quelque chose, ils vont dire sans avoir peur. Vous voyez, beaucoup de personnes aujourd'hui ne croient plus au ministère prophétique parce que certains prophètes en ont fait un folklore. Pas parce qu'ils sont des faux prophètes, mais parce qu'ils n'ont pas eu assez de formation ou bien parce qu'ils ont triché. Ils ont triché pendant l'époque de la formation. Ils ont triché. Vous voyez, si par exemple vous êtes en classe préparatoire pour un examen et vous brûlez, vous séchez les cours, pendant l'examen, vous serez rattrapé. Il y en a qui, pendant les années de préparation, ont aussi séché certains cours, ont triché un peu. Ça fait donc que leur fondation n'a pas été solide. Parce que pour que Dieu vous donne le don, il doit se rassurer d'abord que sur le plan du caractère, sur le plan comportemental, que votre fondation soit solide pour que le don ne soit pas votre mort. Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts à cause du don de prophétie. L'orgueil est entré. Parce que la prophétie, le ministère prophétique est le seul don. Le seul ministère où Dieu a réuni les deux choses qui font de lui le Dieu prescient. C'est-à-dire que le Dieu qui a la préscience, le Dieu qui connaît toutes choses. Le Dieu prescient, omniscient, vous voyez. Donc, Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît les secrets. Il n'y a pas de secret pour lui. Or, dans la prophétie, il y a le don de prophétie lui-même déjà. Il y a le don de parole de connaissance qui est toujours une composante de la prophétie, qui sont en réalité ce qui fait l'omniscience de Dieu. C'est ça. Quand vous avez le don de prophétie, et en plus vous avez la parole de connaissance, mes amis, vous partagez avec Dieu sur sa table le don, sa qualité, c'est-à-dire son attribut d'omniscient, de celui qui connaît tout. C'est important. Donc, lorsque les gens commencent à se rendre compte que vous pouvez connaître des choses dans leur vie qu'ils n'ont dites à personne, leurs secrets les plus cachés, les plus enfouis, dans les coffres forts de leur cœur. Mais attendez, ils ont tendance, l'homme a tendance à vous adorer. Maintenant, c'est à vous, prophète, de dire à votre peuple que nous attendez, c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. C'est pour cela que vous allez remarquer qu'à chaque fois que je veux prophétiser, je me mets toujours à genoux. Je me mets à genoux, c'est pas, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, hein. C'est pas trop pour vous. Hein, c'est pour moi-même. C'est pour me rappeler à moi-même ce que je suis. Zéro. Poussière. Et donc, des deux tendances de prophètes, j'ai remarqué une chose, ça c'est mon étude personnelle. Faites aussi votre étude. Les prophètes, j'ai remarqué que les prophètes, la première tendance, c'est-à-dire du télémati anthropo, ceux qui basent leur ministère prophétique sur leur personne, leur personnalité, et ça aboutit à l'idolâtrie de la personnalité, ou bien au culte de la personnalité, leurs ministères sont toujours tombés à un certain moment. Ces ministères-là ont été fauchés. Et ceux qui ont basé leur ministère prophétique sur le pneumati agio, sur l'Esprit Saint, et pour la gloire de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul, et qui n'ont pas goûté un seul instant la gloire de Jésus, même pas du bout de leurs doigts, eux, leur ministère, sont allés de l'avant. Dieu a soutenu l'œuvre. Donc, c'est ça la réalité. Vous allez remarquer dans le monde aujourd'hui, même parmi les plus célèbres des prophètes, vous allez remarquer que tous ceux qui ont centré sur eux, le peuple, la gloire, leurs ministères ont eu des problèmes, ça s'est cassé. C'est pour ça que, en tant que prophète, nous devrions faire très très attention. Faites attention, faisons attention. Je parle à la jeune génération des prophètes qui est en train de monter dans notre nation et ailleurs. Faites attention. C'est un don dont Dieu est grandement jaloux. Mais le peuple aussi, parfois, dans l'ignorance, peut vous amener à bâtir un veau d'or et faire de vous un dieu. C'est à vous d'éduquer votre peuple, de lui dire que la gloire revient à Christ, que ce pouvoir, cette puissance, ce don ne vient pas de vous, mais il vient de Jésus, et qu'il vient pour l'édification du corps de Christ, qui ne voit pas en vous un Dieu. Vous n'êtes rien. Rappelez à votre congrégation que vous n'êtes rien, que c'est Jésus-Christ qui doit être glorifié, parce qu'il est très jaloux de ce don. Donc, mes amis, voilà un peu. Il y a des gens qui sont venus me voir pour demander, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? J'ai dit que je ne sais pas. Et les gens sont étonnés. Les gens sont étonnés que comment je vais consulter le prophète, il me dit que Dieu ne lui a rien dit. Il y a des gens que j'ai appelés, je me souviens, il y a une dame avec qui j'ai parlé lors de la conférence des partenaires. J'ai parlé avec elle, et puis je l'ai bénie, j'ai prié avec elle.
Et à la fin, elle m'a écrit, elle m'a dit que vraiment elle est déçue parce qu'elle pensait que je vais prophétiser dans sa vie, je vais donner le nom des gens comme elle voit à la télé. Je n'ai même pas répondu. Et je ne peux plus jamais l'appeler. Mais si elle s'inscrit lors des conférences des partenaires, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je pense que quelque part, il y a la mauvaise foi aussi. Si vous êtes un vieux chrétien, vous êtes un vieux chrétien, vous partez dire à un homme de Dieu que, mais pourquoi on n'a pas prophétisé? Donc vous voulez faire de nous des marabouts? C'est les prophètes qui veulent satisfaire leur chair, qui viennent vous mentir, vous disent n'importe quoi. Il peut te dire des choses qui sont vraies, mais il a parlé sans que Dieu ne lui ait dit, dit ainsi par l'Éternel. Et la Bible dit, c'est une malédiction, malheur au prophète qui dit ainsi par l'Éternel lorsque je ne l'ai pas envoyé. C'est dangereux. C'est pour ça qu'avant qu'un prophète n'ouvre la bouche pour dire ainsi par l'Éternel, mon ami, réfléchis bien que c'est vraiment l'Éternel. Parce que si tu pas menti au nom de Dieu là-bas devant, les gens vont t'acclamer, mais après ça, tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte à Dieu. Donc c'est un ministère très sensible, vous voyez. Ne poussez pas les prophètes à pécher. Selon si un prophète veut satisfaire sa propre chair, son ego, sa mégalomanie, son orgueil, qu'il va chercher à t'épater. Je ne cherche à épater personne. Il y a des personnes avec qui je veux causer. Dieu dit, prie, bénis-la. La bénédiction, c'est une prophétie. Lorsque Dieu te dit, lorsque un prophète te dit que le Seigneur te bénisse, qu'il ouvre les portes fermées de ta vie, mon ami, c'est une prophétie prédictive. Tu dois t'accrocher à ça et dire Amen. C'est la plus grande prophétie même que tu dois recevoir. On va te donner le nom de ton père, le nom de ta mère, et tu vas aller faire quoi avec? C'est ça qui va mettre le piment dans ta sauce, ou bien c'est ça qui va faire que le sel qui a débordé dans la sauce que tu as préparée à ton mari la puisse diminuer? Non. Donc, recherchez, soyez mature. La parole de Dieu, ce n'est pas toujours le nom de ton père ou bien non. Ça, c'est les paroles de connaissance. La prophétie peut être empaquetée, emballée dans une déclaration de prière. Que tes ennemis soient ton marchepied, s'appelle le Saint-Esprit, qui est en train de prophétiser dans ta vie à travers le prophète. Mais toi, immature que tu es, tu vas dire non, il n'a que prier sur moi. Il a dit que mes ennemis deviennent mon marchepied qu'avant la fin de cette année. Oh, les portes fermées de ma vie commencent à s'ouvrir. Mais il ne discerne pas que c'est une prophétie qu'il a reçue. Il a reçu la prophétie de sa vie. Lui, il attend seulement qu'on lui dise que ton père s'appelait Pierre, ta mère s'appelait Monique. Vous voyez, c'est là que le problème se trouve avec les chrétiens d'aujourd'hui. Et il y a donc des prophètes qui sont tombés dans ce piège et qui cherchent à satisfaire les hommes. Je ne cherche pas à te satisfaire, mon ami. Si Dieu ne m'a rien dit sur toi, je ne te dis rien. Tu veux fasse ta part. Va chercher un autre prophète ailleurs. Je m'en fous. C'est ça la vérité. Je m'en fous, sincèrement. Mais je ne peux pas accepter que le peuple m'induise en erreur. Non. Je ne suis pas un prophète folklorique. Non. Je suis arrivé en Suisse. Mes fils sont venus me voir, papa, après la première journée. Non. Vraiment, les gens sont fâchés parce que vous n'avez pas prophétisé comme on voit à la télé. Pourtant, ils mentaient même. Quand j'ai parlé de ça dans la salle, les gens disent, non, nous, on n'a jamais dit ça. Papa, vraiment, ce soit prophétisé, je leur ai dit, ne tentez plus jamais ça. Ne tentez plus jamais ça. Jamais. Peut-être que vous ne me connaissez pas bien. Ne tentez plus ça. Vous êtes mon patron. C'est vous qui m'avez embauché. Vous êtes Jésus. Et se sont excusés. C'est ça, il y a des gens qui veulent diviser le prophète. Le prophète, tu es prophète, non, tu vas sauf que prophétiser. Non. Il dit, aucune prophétie, aucune prophétie. Il dit, portez en aucun moment. Ougar telemati, anthropo, enecte, prophétie apote. Il dit porte, veut dire en aucun moment ça ne va jamais arriver, ce n'est jamais arrivé, ça ne doit jamais arriver. Et chaque prophète doit prier que ça n'arrive jamais dans sa vie, qu'il parle et que Dieu n'a pas parlé. Le prophète ne peut pas parler si Dieu n'a pas parlé. C'est pas comme si vous arrivez, le micro commence à parler seul. Mais mes amis, vous voyez mon micro commence à parler seul, avant que je ne le prenne, tout le monde va fuir. C'est la même chose lorsqu'un prophète parle et que Dieu ne l'a pas envoyé. Que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter là. Il y a tellement de choses. Adieu, on va continuer demain. Les habitants de Douala, je suis à Douala. Le soir, si c'est grave. Hier, on a commencé ce soir, ça sera terrible. Viens avec ta bouteille d'eau, nous allons prier. On va parler sur les signes, les prophètes et les signes. On va voir ce que ça donne. Donc maintenant, je veux prendre les messages. Mon WhatsApp est là. Je vous ai donné les deux WhatsApp. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. D'accord. Papa, ah non, papa, je vais tellement me marier. Papa, bonjour, je suis votre fille Prisca. J'écris toujours avec le téléphone de mon fiancé parce que je n'ai pas de téléphone, papa. Papa, je veux tellement me marier, mais pas suffisamment d'argent. Oh, montez le message à votre fiancé, pardon. Dieu va agir. D'accord. Où sont... C'est les bonjours que j'ai. Il n'y a pas de questions apparemment.
n'y a pas de question, il n'y a pas de question. Voilà, un prophète peut prier sur quelqu'un de loin et Dieu va agir en même temps. Oui, bien sûr, c'est clair. Où sont les questions? Où sont vos questions? Shalom l'a dit, merci pour le programme, la lumière des Écritures qui nous édifie véritablement. Merci à vous aussi. Bon, maintenant, quand il faut écrire, vous n'écrivez pas. Papa, mon mari a le VIH sida. Le Seigneur le guérisse au nom souverain de Jésus. Hola, prophète, soy Teodoro, desde la Guinée équatoriale. Ok, buenos días, Teodoro. No, yo no sé si tú tienes preguntas, porque quiero preguntas esta mañana. Ok, d'accord, ici. D'accord, il n'y a pas de questions. Depuis la France, je suis souvent. Que Dieu bénisse abondamment. Depuis la France, je suis souvent vos enseignements. Bonjour, prophète Ferdinand, comment vous allez? Je vais bien. Merci de prier pour moi. Que Dieu bénisse. Ok, papa, nous sommes délaissés. Comment faire nos offrandes de connexion quand votre taux est atteint? D'accord, j'ai rendez-vous à Orange tout à l'heure. On va arranger ça, par la grâce de Dieu. Tout à l'heure. On va arranger ça parce que j'aurai un programme spécial sur les finances. Je prends une semaine. Hein? Une semaine. Après ça, ta vie ne sera plus jamais la même. En ligne, hein? Une semaine en ligne, pas à l'église. J'ai fait un programme de 3 jours. 3 jours spécial programme en ligne. Je n'ai pas compris la fonction d'évêque hier. Parce que je fais. Où est la question? Parce que je fais les songes bizarres. Moi, je n'ai pas compris la fonction d'évêque. Un évêque, c'est un ancien, tout simplement, dans la Bible. Hein? Évêque, c'est ancien. Comment développer le prophétique en nous? Voilà. Comment développer le prophétique? Il faut être dans la présence de Dieu constamment. Et il faut prophétiser. Il faut s'exercer à la prophétie. Il faut avoir un terrain prophétique. Vous pouvez aller au marché. Si vous n'avez pas une église, allez au marché. Vous appelez telle personne. Vous la regardez. Saint-Esprit, ça. Et c'est un message pour telle personne. Parce que Dieu a toujours quelque chose à dire à quelqu'un. Voilà. Et vous allez prophétiser. Donc, je veux parler dans les méandres du ministère prophétique parce que ce n'est pas un séminaire pour les prophètes ici. Je veux parler de la connaissance qui est nécessaire pour l'église. Moi, je voudrais savoir. C'est le don d'interprétation de langue. Quand il y a le don d'interprétation de langue, vous allez comprendre ce que vous dites en langue. Vous pourrez le dire. Ok, je vais prendre. Si c'est des questions, on va prendre en direct. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, ça va. Est-ce que c'est par rapport à l'émission, s'il vous plaît? Oui, c'est par rapport à cette émission que je suis en train de suivre. D'accord. Est-ce que vous avez une question? Pardon? Est-ce que vous avez une question, une préoccupation? Oui, j'ai une question à vous poser. D'accord, allez-y. Oui, effectivement, je suis en train de suivre vos émissions chaque jour. Et à présent, n'est-ce pas, on aurait besoin, n'est-ce pas, de vous voir, n'est-ce pas, dans le nord ici, parce que vous avez, n'est-ce pas, le champ limité vers le sud, là-bas, c'est bon pour prendre. C'est notre préoccupation. Ah, vous voulez qu'on arrive, vous êtes dans quelle région du nord? Nous sommes dans l'extrême nord. L'extrême nord, d'accord. Par la grâce de Dieu, on va arriver. C'est à cause de l'insécurité qu'on n'a pas pu arriver là-bas jusqu'à présent. Vous savez que lorsque je me déplace, il y a tellement de milliers de personnes et parfois j'ai des problèmes avec les autorités locales, les autorités administratives locales. Donc c'est un peu ça la difficulté majeure, c'est ça que nous avons. Vous comprenez? Mais nous allons remettre ça sur la table pour l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci. Merci. Donc voilà, vous pouvez appeler aussi sur WhatsApp pour poser votre question en direct. Mon WhatsApp est ouvert et célébrons le Seigneur parce que désormais, c'est comme ça. Papa, je veux les sujets de prière, s'il vous plaît. Il faut les sujets de prière. Je veux les questions par rapport à l'enseignement. C'est très sérieux, ça. Allô, bonjour. Allô, bonjour, bonjour. Oui, bonjour, vous appelez d'où? J'appelle depuis bientôt. D'accord, est-ce que c'est pour une question? Oui. D'accord, allez-y. Papa, il demandait comment faire le baptême d'alliance avec Dieu. L'alliance, c'est quoi en passant? Je n'en sais pas trop, papa. Parce que je suis l'émission chaque jour, papa parle du baptême d'alliance. Non, j'ai jamais parlé de baptême. Il n'y a pas de baptême d'alliance. Je parle du baptême dans le Saint-Esprit ce matin. Voilà, le baptême dans le Saint-Esprit, comment faire pour être baptisé dans le Saint-Esprit? Jésus a dit dans Luc chapitre 11, aussi méchant que vous l'êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, il faut demander à Dieu. Prenez un temps de retraite, 3 jours, vous enfermez, vous dites, Seigneur, baptise-moi dans le Saint-Esprit, il le fera pour vous. Que Dieu vous bénisse. C'est simple.
Allô? 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 Ok, laissez les appels WhatsApp pour ceux qui sont à l'étranger, qui sont loin, s'il vous plaît. Pour ceux dont la communication est chère. Laissez les appels WhatsApp pour ceux dont la communication est compliquée, je vous en prie. Allô? Allô, papa, bonjour. Bonjour. Bien, vous allez, papa? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Ok, d'accord. C'est parti, on va prendre une autre personne. Allô, bonjour. Oui, bonjour, au fait. Bonjour. Oui, bonjour, j'appelle depuis Yaoundé. Yaoundé, d'accord, j'écoute alors votre préoccupation. Oui, ma préoccupation, c'est que vous m'aviez donné l'ordre de lire un livre dans les rêves. Oui. Et 2 semaines après, vous êtes venu prêcher sur ça à la Bible. Je C'était ne sais quoi, quel pas livre? comment. Le livre d'Esther. Oui. J'aimerais avoir un peu plus d'explications. Non, non, il faut lire. Quand vous lisez, vous finissez le livre de ça, vous retournez vers Dieu. Vous dites que j'ai fini, Seigneur. Quelle est l'étape suivante? Il vous orientera. Lisez Somme 32, verset 8. Merci. Voilà. Merci, Seigneur. Fais un rêve qu'on a déjà, la calvitie, l'interprétation. Je ne suis pas là pour interpréter les rêves, s'il vous plaît. Nous parlons du Saint-Esprit. On parle du baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? On parle du ministère prophétique. Parce que c'est important de poser des questions là-dessus. Parce qu'après ça, vous allez insulter le prophète, dire non, les faux prophètes sont montés et tout. Donc c'est un peu ça. Donc j'ai dit que les messages WhatsApp, les appels WhatsApp, s'il vous plaît, je veux. Si vous appelez WhatsApp avec le numéro du Cameroun, je ne veux pas prendre. Parce qu'on a nos bien-aimés qui sont hors du pays, très loin. Et ils peuvent utiliser WhatsApp. Allô, bonjour. Bonjour, Dazim.